se dit, il y a la coi, oh, 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 et ça sonne se dit, oh, il y a la coi, ma o monache, il n'a que dormite, il y a eu cette libre, oh, et ça sonne, ma o monache, il n'a que dormite, It's me, baby, Shoshana. Oh, we love Lismoya, Lismoya, Korashana. Shalom uvracha. Je voulais d'abord vous remercier pour tous ceux qui nous suivent, qui sont avec nous. Baruch Hashem, plusieurs milliers de personnes qui sont assoiffées, avides des paroles de Rabbi Nachman, Baruch Hashem, et qui ressentent que comment cela les aide. Donc maintenant, on est quelques jours avant Rosh Hashanah et on est dans un projet très important qui concerne à donner à manger à des pauvres à Rosh Hashanah, au Man. Et ce sont des gens qui se sont battus et qui ont économisé toute l'année pour payer leurs billets d'avion. Dans l'unique but, c'était d'honorer la demande du tzaddik qui a dit de venir avec lui, de venir chez lui à Rosh Hashanah. Donc ces gens-là se trouvent démunis. Ils arrivent ici et ils ont pas un minimum pour pouvoir payer pour les repas de Rosh Hashanah et avant aussi quand ils arrivent et un petit peu après avant de repartir et un Shabbat après aussi. Donc nous on s'occupe, Bezrat Hashem, de donner à manger à 800 personnes assises. C'est-à-dire, il va y avoir dans cette tente que vous voyez là 800 personnes assises et il y aura des milliers de repas qui seront servis en permanence. Cette tente-là se trouve à juste 100 mètres du kever de Rabbi Nachman. Et donc, c'est ceux qui sont conscients de ça, c'est-à-dire qui savent la grandeur de la mitzvah. Alors, Rabbi Nachman, une fois, on sait que Rabbi Nachman y réparait les âmes. Alors il y a une fois l'âme de quelqu'un qui est venu le voir une fois qu'il était décédé. Et Rabbi Nachman a dit, moi je ne te connais pas, qu'est-ce que tu veux? Alors, il a dit, moi je suis quelqu'un qui... J'étais boulanger à Breslev. Et moi j'aidais toujours vos hommes. Et je leur donnais le pain qui me restait après Shabbat que je n'avais pas vendu. Je leur donnais à la fin du Shabbat pour qu'ils fassent le quatrième repas de Shabbat. Alors Rabbi Nachman a dit, puisque tu as aidé mes hommes, alors moi aussi je vais réparer ton âme. Chaque chose qu'on fait pour Rabbi Nachman, il faut savoir que c'est une réparation éternelle. Et c'est la garantie d'avoir une bonne année, Bezrat Hashem, avec tout ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que vous allez aider, c'est une grande joie pour le tzaddik et pour ces pauvres-là qui vont arriver ici et qui voient aussi l'union, le shalom qu'il y a entre nous pour que ça amène la délivrance. Parce que pourquoi chamifier qu'il y a des gens qui ont des moyens, des gens qui n'ont pas le moyen? C'est uniquement pour ceux qui ont les moyens, ils puissent donner à ceux qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'on a les moyens, sinon pourquoi Hachem il va donner à quelqu'un plus et à l'autre moins? C'est pour que on soit obligé d'être ensemble, de communiquer et de faire du chesed les uns aux autres. Donc maintenant, aujourd'hui, avant Rosh Hashanah, je fais appel à chacun d'entre vous et à votre gratitude. Et parmi tous les bienfaits de tous les enseignements de Rabbi Nachman, qui change la vie et qui donne l'espoir à chacun, qui donne des conseils clairs, pratiques, qui remettent les gens sur les rails. Combien de, bon, Hachem, de milliers de gens, ils ont eu le mérite, grâce à ces enseignements, d'arriver à changer leur vie et de voir la vie sous un angle meilleur. Maintenant, le temps presse, il nous reste quelques jours, mamash, avant Rosh Hashanah. Et il nous manque aujourd'hui 35 000 euros pour finir cet accueil des milliers de gens
qui attendent avec espoir que quand ils vont venir, on pourra leur servir de quoi manger, comme je vous ai dit, avant la fête, pendant la fête, le Shabbat, après le Shabbat. Donc, Bezat Hashem, voilà, je sais que j'ai confiance en vous, je sais que vous êtes des gens qui veulent aider, et toute participation, ça sera le bienvenu. Et sachez que, bien sûr, c'est 100%, ce que vous allez donner, ça va 100% aux pauvres. Il n'y a pas ici de business plan, business tzedaka plan, ou rien du tout. Ça va directement de ce que vous allez donner à ces pauvres-là, et on est tous ensemble pour servir le tzaddik et accueillir ces gens, Bezrat Hashem. Alors que vous ayez, Bezrat Hashem, une bonne année, et avec tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, que ce soit avec tout l'adoucissement des rigueurs, avec toutes les bénédictions du tzaddik, et bien sûr, vous avez une garantie que vous êtes inclus dans les choses que le tzaddik a promis pour Rosh Hashanah, que son Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout, et que le monde entier a besoin de son Rosh Hashanah. Alors, Bezrat Hashem, passez une Shana Tova, et je vous remercie par avance pour chacune l'effort qu'elle fera pour ça. Be'atzlacha, et merci pour tout ce que vous faites pour nous. À bientôt. Oh,